Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie. Nous allons parler entrepreneuriat. La demande des consommateurs, personnes lambda ou entreprises, institutions, évolue plus vite que les politiques publiques. Celles-ci viennent au final s'adapter aux besoins du marché et également s'adapter aux projets innovants proposés par la génération Z Alpha. L'avènement des startups a été consacré par la création d'un ministère dédié aux détenteurs des projets innovants, donc des projets qui démarrent, les jeunes poussent, la stratégie adoptée tourne autour de quelques axes, labellisation, accompagnement par les incubateurs, financement, exonération des taxes et impôts pour une durée limitée, mise en affaires et partenariat également. Plusieurs médias internationaux de renom reprennent des déclarations et font un point de situation dans leur colonne sur l'évolution des startups et l'intérêt que leur accorde le président de la République en évoquant la jeune génération déterminée ainsi par les chercheurs déterminés comme génération Alpha et Z, la génération la plus imprégnée, la plus douée en nouvelles technologies numériques. Cette génération est évoquée, citée dans tous les discours, en interne, dans la presse étrangère et dans les grands hémicycles internationaux. Le rôle de la jeunesse algérienne dans la création d'une économie développée est une préoccupation majeure au sein du gouvernement. Le projet et de faire sortir la jeunesse de la logique du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat avec des projets socio-économiques, environnementaux, culturels, touristiques dont a besoin le consommateur et tout l'environnement social. Le marché algérien demeure un terrain vierge où tout est à faire et à parfaire. Les nouvelles technologies, le digital, le numérique, une industrie en plein essor et va vers une démocratisation de l'offre qui répond aux attentes des Algériens en termes de services. Comment les institutions en charge de cette catégorie d'entrepreneurs prend en charge les milliers de demandes de labellisation, de financement? Comment le secteur fait-il le tri dans ces demandes pour orienter les jeunes porteurs de projets vers les autres formules et statuts d'entrepreneurs qui permettent de bénéficier de facilités et d'exonérations ou de financements ou tout simplement pour monter son entreprise? 60 minutes économie, tous les jeudis de 13h à 14h. Nous allons faire le point dans ce studio, dans ce numéro, avec nos invités sur l'évolution justement de la labellisation, sur la prise en charge des différentes catégories de jeunes demandeurs d'appui, d'accompagnement ou de financement pour monter un projet d'entrepreneuriat. Nous recevons dans les studios Madame Nassima Arhab, secrétaire générale du ministère de l'économie de la connaissance, des startups, de la micro-entreprise. On vous remercie vivement d'avoir répondu très rapidement à cette sollicitation. On reçoit également dans les studios Madame Dahwa Messaoudi pour parler de son expérience comme start-up ou future start-up. Également au téléphone Monsieur Anis Rahmoun Yassine. Anis Rahmoun. Oui, directeur général Capture Doc et investisseur Business Angel. Et pour commencer donc ce débat, cette discussion, et surtout pour avoir un plus large éventail donc de toutes ces informations autour des startups, nous planterons donc le décor avec un préambule, une introduction avec Madame Nassima Arhab, secrétaire générale, pour nous dire quels sont, est-ce que la politique publique du ministère qui est également consacrée par le gouvernement et qui répond aux orientations du président de la République, prend-elle en charge les différentes catégories sociales, les différentes catégories de jeunes qui souhaitent monter un projet, qu'il soit dans le cadre des start-up et dans le besoin de labellisation, ou dans l'auto-entrepreneuriat, ou dans la demande de micro-entreprise. Quelles sont les différentes catégories sociales, donc les différentes catégories de jeunes, qui trouvent réponse à votre niveau pour monter un projet? Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour l'invitation et cette opportunité d'en parler aussi du ministère, mais aussi des projets qui ont été concrétisés. Et vous le dites très bien, dans le cadre de la politique publique du gouvernement, mais aussi des orientations de Monsieur le Président de la République pour renforcer l'entrepreneuriat des jeunes et des moins jeunes comme alternative, je dirais, universelle au salariat et comme moyen de revenus que nous travaillons pour qu'il soit le plus durable possible et créateur de
richesses aussi qui participent au développement et à l'évolution économique du pays. Alors, il y a différentes formules au niveau du ministère. Les start-up, donc il y a des demandes qui sont inscrites au niveau du portail. Il y a aussi les auto-entrepreneurs, donc des jeunes qui peuvent également s'inscrire pour devenir auto-entrepreneurs. Et puis, il y a la formule Nesta, donc qui permet également aux porteurs de projets de s'inscrire et de bénéficier de financement. Quel bilan faites-vous justement des demandes reçues pour les start-up à ce jour, hein, depuis l'avènement du ministère, ou alors au moins une moyenne annuelle des demandes que vous recevez? Alors, depuis l'avènement du ministère, dans sa configuration ancienne, le ministère délégué de l'économie de la connaissance des start-up, qui passait à ministère plein, en ajoutant la partie micro-entreprise, notamment la tutelle sur la Nesta, nous avons mis en place ce qu'on appelle un système de labellisation, qui est un moyen de reconnaissance des startups et qui permet à ces porteurs de projets ou startups créées d'avoir des avantages, notamment l'accès au financement, mais aussi des défiscalisations de leur activité pendant 5 ans. Ce même label est octroyé aux incubateurs, ça nous permet aussi de leur donner des facilités supplémentaires par rapport à leur activité d'accompagnement, mais aussi de développement de startups, et qui leur permet, nous permet nous aussi d'avoir une cartographie de ces incubateurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient à l'initiative privée. Si vous devez faire une statistique pour ce qui touche au chapitre startup. Startup, actuellement, il y a 7000, on reçoit, enfin, on note 7300 startups, 2300 à peu près, ils ont reçu leur label. Expliquez-nous, 7000 demandes. 7000 sur 7000 demandes jusqu'à présent. Donc, c'est des gens depuis qui s'auto-proclament startup. Oui. 2300 ont pu avoir le label de la commission. Des 7000. Hein. Des 7000. 2300. À ce jour. Ont eu le label ou start-up ou projet innovant qui est octroyé par une commission, en tout cas pure disciplinaire, qui englobe des cadres de différents ministères, mais aussi des opérateurs, des start-upers, des chefs d'entreprise, mais aussi des fondateurs d'incubateurs. Alors pourquoi justement ce nombre est si petit par rapport à l'ampleur de la demande? Tout à fait, parce que finalement il y a quand même des critères, je parlais d'une commission. Qu'elle a des critères d'octroi de label qui se résument principalement sur l'aspect innovation à travers la présentation d'un prototype, mais aussi d'un business model qui a une approche économique, mais aussi une capacité de scalabilité, qui sont des critères en tout cas universels, nous n'avons rien inventé, qui définit donc une évolution rapide du projet. Et ce sont des critères principaux sur lesquels la commission se base pour octroyer le label. Ceci dit, que deviennent les autres? Alors, les autres, c'est parfois des projets qui ne sont pas matures. 5000. Tout à fait. C'est des projets au niveau d'idées, donc on n'a pas encore... Est-ce qu'on les oriente ou on les laisse en réponse? Bien évidemment. Parfois, on les oriente même vers des incubateurs pour qu'ils puissent être accompagnés, qu'ils puissent aussi maturer leur projet, revenir autant qu'il faut pour demander leur label. Dans cette catégorie ici, il y a des projets qui se voient comme étant projets de micro-entreprise plus que start-up. Mais c'est de bons projets de micro-entreprise. Bien évidemment, ils sont orientés vers d'autres dispositifs. Lorsque vous dites, donc, il y a forcément, on va dire, un choix qui est fait par la commission en fonction de critères. Mmh. Au-delà des critères, est-ce que justement la labellisation, la volonté de labelliser la politique en direction de ces startups, elle répond aussi à une demande du marché, à un intérêt, une priorité accordée par les pouvoirs publics, par le ministère? Quels sont les secteurs que vous privilégiez justement pour arriver à la labellisation, pour Alors, définir avant de répondre, si vous permettez, je vais expliquer un petit peu l'approche start-up en elle-même. Pour être inscrit comme étant start-up avec une solution innovante, mais aussi une capacité de scalabilité, la start-up vient pour répondre à une problématique qui devient une opportunité de marché et qui a la capacité de se répercuter sur plusieurs, je dirais, sur une... Alors, c'est un marché qui devient de plus en plus important. Voilà. Oui. D'un côté, en ayant cette définition, il n'y a pas quand même une orientation particulière des institutions par rapport au projet. Oui. Deuxième point, la labellisation est une initiative individuelle. Donc, on a le choix de le faire comme on a
le choix de ne pas le faire. Mais ceci dit, ça nous a permis, après pratiquement 3 ans de labellisation, de voir un petit peu les projets les plus porteurs et les projets qui attirent de plus en plus les start-upers, en plus des activités d'ordre, je dirais, numérique, comme le e-commerce, le e-payment, est-ce qu'il a des solutions de e-payment, est-ce qu'il en suit, et que c'est une tendance universelle. En tous les cas, on n'est pas en autarcie par rapport à un marché mondial. Il y a aussi quelques secteurs qui attirent de plus en plus les porteurs de projets, notamment l'agritech, la biotechnologie, et surtout l'énergie. Il faut dire qu'on est un pays d'énergie et on a beaucoup de solutions de start-up. Il y a quand même une priorisation des secteurs. Tout à fait. Que deviennent ces 2000, vous avez dit, qui ont été labellisés à travers le territoire national? Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils sont en incubateur? Ils sont au stade de financement? Alors, il y a plusieurs catégories, parce qu'il y a certains, parmi ces 2000 labellisés, on labellise ce qu'on appelle un projet innovant. C'est-à-dire, l'idée, elle est là. La solution, elle a été déjà préconçue. On a un premier prototype, mais on n'est pas encore arrivé à la maturation pour aller vers le marché, à la création réelle de l'entreprise. Pour cette catégorie, le label permet, à travers le décret 2254 et la loi de finances 2022, d'octroyer des facilités fiscales, mais aussi d'avoir la possibilité d'accéder au financement. Qui a accédé à ce jour au financement? Alors, parmi les 2300 labellisés, 120 seulement, ou 124 à ce jour, ont bénéficié d'un financement du fonds d'investissement des startups. Il faut dire que c'est un chapitre à part pour expliquer aussi son fonctionnement et ses critères aussi supplémentaires. Ce qui donne le label comme garantie, c'est la défiscalisation et les aides fiscaux. Ce qui est du financement, nous, il faut dire que c'est aussi un écosystème jeune, de start-up. Nous n'avons qu'un seul fonds de financement pour les start-up, qui est l'ASF. Et là, nous travaillons en tant qu'institution et en tant que ministère pour un petit peu booster d'autres opérateurs et d'autres acteurs de financement. Nous développons des programmes de financement pour permettre à ces porteurs de projets innovants les moyens et le financement nécessaires pour pouvoir arriver à un produit marketable. Quels sont les projets justement financés? Quelle forme ils se déploient? Comment ce financement se fait? Est-ce que le fonds est partenaire? Oui, nous avons lancé très récemment le programme Kickstart, qui permet à ces porteurs de projets qui font appel à des incubateurs de demander un financement pour la maturation de leur prototype. Ce qu'on appelle, nous, le financement de pré-seed, c'est-à-dire avant d'arriver même au financement de l'ASF. À l'ASF, le marché est nécessaire. L'opportunité économique est indispensable, parce que c'est un capital risque et qui doit quand même avoir une visibilité sur l'opportunité du marché. Pour des projets qui ne sont pas arrivés même à positionner leurs produits sur le marché, il y a ce programme-là qui vient à leur aide, et bien sûr, et qu'on pourra développer d'autres pour qu'ils soient maximum des porteurs de projets, se transformer en start-up. Les projets, en quoi ils consistent, ceux qui ont été retenus Alors, ils consistent pratiquement à des solutions digitales, mais aussi à des produits tangibles. Dans la définition des start-up, il n'y a pas seulement le digital. Il y a des plateformes de mise en relation, de e-commerce, des solutions de paiement électronique, mais aussi des dispositifs technologiques qui rentrent dans la gestion de l'eau, de l'agritech, de la biotechnologie, des solutions assez innovantes. Je donne la parole à Madame Dahoua Messaoudi. Vous parlez donc des 5 000 non retenus. Ça fait des mécontents, bien sûr. On ne comprend pas. Il y a des jeunes qui se disent « mon non-projet, il est innovant, il y a un vrai besoin sur le marché. Pourquoi est-ce que je ne suis pas retenu? Pourquoi je n'ai pas de labellisation ?» Ils ont leurs propres arguments. En tout cas, le motif est transmis avec On prend l'exemple de Madame Dahoua Messaoudi. Donc, vous êtes porteuse de projets. Est-ce que vous vous êtes adressée justement à travers cette plateforme au ministère, au service du ministère, donc la section start-up, pour labelliser et profiter du financement? Vous pouvez nous raconter un petit peu, très brièvement, votre expérience. Bonjour à tous, à tous les auditeurs, et merci infiniment de votre invitation. Effectivement, je me suis inscrite sur le site, en fait, faire une demande de label sur le site du ministère des start-up. Mon stade, moi, ce n'est pas un projet, en fait, il n'est pas au stade de projet, c'est une entreprise qui existe déjà, qui est déjà créée. Donc j'ai proposé, j'ai rempli tout ce qui était demandé sur,
sur la plateforme et j'ai reçu une réponse environ 3 semaines plus tard. Donc ça, c'était, nous étions fin février de cette année, qui me disait que mon activité n'était pas retenue puisqu'il s'agit il s'agirait d'une micro-entreprise. Voilà, donc c'est vrai que j'ai été un petit peu frustrée de cette réponse puisqu'il n'y avait pas plus de précision. J'ai cherché la différence qu'on faisait entre une micro-entreprise et une start-up. Et c'est le caractère innovant, en fait, de ce que j'ai compris, qui n'avait pas été retenu par rapport à mon activité. Je suis retournée vers le ministère en les contactant par téléphone. Et une dame m'a donné le contact mail. Ce que je voulais absolument, en fait, ce qui comprendre. M'a... Oui, j'aurais aimé avoir un interlocuteur, un rendez-vous physique, enfin, parler à quelqu'un, en fait. Pour être mieux orienté. Oui, et malheureusement, on m'a donné ce mail, j'ai écrit en présentant et en expliquant mieux ce qu'était mon activité, qui pour moi, en fait, après, c'est vrai, avec mes critères personnels. Votre propre appréciation. Avec ma propre appréciation, puisqu'il s'agit d'un cabinet de conseil aux entreprises, donc du conseil en relocalisation d'entreprises. C'est un service qui aide les entreprises et les directions des ressources humaines à installer leur personnel qui est expatrié, en fait, en Algérie. Donc à travers des services de logistique et administratif. Donc c'est leur faciliter vraiment leur installation. Ici en Algérie, ça peut être la recherche de logement, les écoles, les transports, les titres de séjour, permis de travail, enfin tout un tas de services qui sont nécessaires à la pérennisation d'une donc, implantation. Vous n'avez pas donc eu satisfaction de votre demande. Oui. Et est-ce que vous vous inscrivez dans une start-up ou alors pourquoi la préférence est donnée au choix de start-up et pas à la micro-entreprise ou à l'auto-entrepreneuriat? Alors l'auto-entrepreneuriat, étant donné que mon activité existe déjà, moi je l'ai créé en tant que profession libérale. En fait, je suis en entreprise individuelle en profession libérale, puisqu'après je travaille avec un réseau de partenaires. Oui, oui. Donc pourquoi le choix de la start-up? Pourquoi vous cherchez une labellisation? Alors c'est justement pour l'accès, les avantages qui sont octroyés liés à la labellisation. Aux exonérations. Voilà, les exonérations fiscales. Le financement aussi, évidemment, quand vous avez une activité qui est autofinancée, la rapidité avec laquelle vous pouvez évoluer n'est pas la même que si vous avez des aides pour ça. Donc naturellement, en fait, pourquoi la start-up? Parce que ce dont j'entendais parler, mais c'est vrai que s'il y a des dispositifs de micro-entreprise qui existent, c'est juste que je n'avais pas encore cette information. Voilà, oui. Vous pouvez, en étant ici, Madame Nassima Arhab, répondre à un manque d'information en direction des jeunes qui pensent qu'il n'y a que la formule start-up parce qu'on en a parlé de manière massive, répétitive, en occultant parfois les autres dispositifs qui peuvent répondre à la demande, par exemple. Madame Messaoudi qui est un échantillon parmi des milliers de demandeurs qui sont dans la même situation. On part sur une logique qu'on a besoin de tous les opérateurs et tous les entrepreneurs et initiateurs de projets entrepreneuriaux pour le développement économique, qu'ils soient start-up ou qu'ils soient micro-entreprises. Ceci dit, il y a un dispositif particulier qui vient d'être relancé à travers la NASDA pour ce type de projet. Oui. Et il n'y a pas un rapport de supériorité, qu'ils soient start-up, qu'ils soient micro-entreprises. Pratiquement, c'est les mêmes avantages. Parfois, on a plus d'avantages en étant micro-entreprise que start-up. Et qui a possibilité d'avoir l'accompagnement qu'il faut pour ce type d'entreprise. Cette réponse ne veut pas dire que le projet n'est pas bon, mais il est dans ses caractéristiques. Plus orienté vers un dispositif qui cadre la micro-entreprise que la start-up elle-même. Et une réaction aussi, bien sûr, on est là pour essayer de trouver presque un début de solution, mais en tout cas une communication qui soit transparente, Madame Saoudi. C'est vrai que peut-être l'information au niveau des start-up, elle a été... Vous êtes convaincue par la réponse et par les autres débouchés qu'offre le... Alors oui, moi je suis contente de savoir qu'il y a d'autres possibilités en fait. C'est vrai que le ministère des start-up et justement les aides avec les start-up, tout ça, c'est quelque chose dont on a entendu beaucoup parler. Et donc je n'avais pas connaissance des autres possibilités. Après, c'est vrai qu'aussi, peut-être par rapport à l'accueil que j'ai eu par rapport à la plateforme, cette réorientation, elle aurait pu être, peut-être au moment où j'ai sollicité la labellisation, il aurait peut-être fallu
plus d'informations sur les autres possibilités, en fait. Puisque je suis restée un petit peu sur ma faim, quelque part. Ce que je me suis dit... Enfin, je ne savais pas, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un manque d'informations sur, sur ce qui était possible. On prend l'avis de M. Enis Rahmoun, directeur général Capture Doc et investisseur Business Angel. Vous êtes au téléphone avec nous, très brièvement, hein, en quelques secondes, si vous pouvez un peu présenter votre activité. Et la question que je souhaite vous poser, c'est quel regard donc, vous portez, quelle appréciation, quel constat vous faites de cette politique publique à l'égard des start-up. Madame la secrétaire générale du ministère, donc, nous a donné une indication chiffrée, une évolution de la demande. Elle en est à 7 000, dont 2 000 sont dans le pipe de la labellisation et donc 120 sont déjà labellisés. Voilà, sont déjà labellisés et bénéficieront d'un financement futur. Votre avis et votre, un peu votre expérience dans le domaine des start-up? Oui, bonjour, je vous remercie pour l'invitation. En fait, mon nom c'est Yassine Rahmoud, Ami, c'est pas mon nom. Alors, encore une fois, merci pour l'invitation. Tout d'abord, je voulais juste dire que la décision stratégique d'avoir créé un ministère des startups a été excellente pour notre pays. Et je tiens à féliciter le ministère des startups en lui reconnaissant bien évidemment l'excellent travail, mais aussi à tous les membres et organisations qui ont contribué à l'écosystème. Pour revenir à votre question, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir un retour d'expérience et faire un bilan, si on peut l'appeler comme ça, je pense que c'est l'objectif de votre question. Oui. Voilà. Donc, en fait, cet écosystème de start-up, il a permis, avant de même de parler d'économie, à justement cultiver un mindset, un état d'esprit, pas uniquement pour les start-up, mais aussi pour les personnes qui sont managers, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, il serait une erreur de le limiter uniquement au sein d'une start-up, mais aussi en tant que manager dans des entreprises. Donc, ce mindset a permis justement de sortir du classique et de penser différemment, et on en a cruellement besoin au sein des start-up, mais au sein des grandes entreprises. Donc, ce que je voulais aussi dire par là, c'est que pour faire un bilan, c'est que tout ce travail-là a permis justement l'émergence de faire des de coupler un hybride entre les idées, quel que soit le secteur, hein, agroalimentaire, pharmaceutique, pétrolier, mais aussi avec la technologie. Nous avons une opportunité extraordinaire aujourd'hui, puisque nous sommes au début de l'intelligence artificielle, et donc les start-up, quelles que soient, qu'elles soient du côté de Wolgla, d'Oran, de Constantino d'Alger, vont justement pas uniquement être digitales, mais aussi utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des évolutions pas uniquement linéaires comme dans le passé, mais exponentielles. Je dis, je le redis, ces initiatives, toutes les personnes qui vont comprendre comment augmenter la productivité avec l'intelligence artificielle seront les gagnants. Toutes les personnes qui vont comprendre à utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter leur chiffre d'affaires et de nouvelles expériences innovantes seront les gagnants. Bien évidemment, je pense que les startups d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je remercie encore une fois la contribution du ministère des startups, de l'ASF, elles ont aussi, et tous les membres de l'écosystème, et surtout d'avoir créé ces bons investisseurs, mais aujourd'hui la startup ne doit pas être uniquement digital first, it has to be intelligent first. Décryptage. En fait, si le mot est la question de décryptage, moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée chez des artisans dans le fin fond d'un village de l'Algérie, justement pour l'aider à créer un contenu avec son compte Instagram. On peut avoir une très petite compagnie dans une montagne qui va utiliser l'intelligence artificielle justement pour mettre des nouvelles idées, de nouvelles solutions à lesquelles on n'a même pas pensé, on peut justement avoir une tonne d'opportunités. Nous sommes au début de l'intelligence artificielle et je pense qu'aujourd'hui, il est de notre devoir de coupler pas uniquement le digital, mais l'intelligence artificielle pour nous rendre plus intelligents. Oui. Et je pense, pour finir, si vous permettez, que cette notion, je fais un bilan aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme parce que j'ai vu que durant les dernières années, avec Capture Doc, notre entreprise, elle se spécialise justement
dans l'automatisation et les solutions intelligence artificielle. Et donc ? Très fier de dire, pas uniquement l'Algérie, mais aussi nous exportons nos solutions au Golfe, en Afrique et en Union européenne. Nous sommes condamnés à créer des start-up de qualité et des compagnies de qualité parce que nous avons saigné. Parce que nous risquons d'être dépassés, en fait. Oui, mais nous avons, madame, vous avez, je tire la sonnette d'alarme depuis des années, j'espère qu'on va régler ce problème, mais la start-up va nous aider. Nous avons une saignée de diplômés des universités qui partent à l'étranger. Donc l'Algérie les forme en milliards de dollars pour qu'ensuite elles traversent la Méditerranée ou l'océan pour aller ailleurs. Donc c'est pour ça que je valorise énormément cet écosystème de start-up avec l'investissement, les incubateurs, l'intelligence artificielle, justement pour la rétention de notre matière grise. Comment vous dans votre poste, dans votre position, à votre position actuelle, vous êtes investisseur business angel, comment vous accompagnez les jeunes pousses, les start-up labellisées ou pas labellisées, à trouver des parts de marché, à sous-traiter avec des entreprises? Alors, nous avons, je vous remercie pour la question, nous avons des incubateurs qui sont les pépinières qui, justement, vont alimenter ces réseaux d'investisseurs business angels. Donc, un réseau de business angels, où nous avons une double vocation qui n'est pas classique. La vocation, c'est pas uniquement d'investir, mais aussi d'accompagner. Donc, notre slogan, d'ailleurs, « It's more than money ». Et donc, je veux dire par là qu'au-delà de l'investissement, on met à disposition un de nos managers pour former dans le rôle commercial, former dans les ressources humaines, former dans la logistique. Mmh. Et donc, nous avons, si je le dis très fièrement, en tant qu'Algérien, nous avons créé et fondé la Fédération Algérienne de Business Angel, un network, AFBAN, qui va justement nous permettre d'établir des ponts d'investissement et de start-up en Afrique, justement pour créer cette force de créativité, d'innovation et de pensée différente, justement pour améliorer nos économies. Une question, alors où est-ce qu'on trouve ces start-up? On les cherche, on va les chercher sur le net, elles viennent frapper aux portes des incubateurs. Comment on définit l'innovation en Algérie? Comment on la définit, cette innovation, de ce que proposent nos start-up? Alors, en fait, c'est la somme de plusieurs facteurs. Nous sommes très fiers de dire qu'en 2009, avec des Algériens de la Silicon Valley, nous avons créé Algérien Startup Initiative. Et avec justement le concours, le très bon apport du ministère des startups, avec bien sûr ASF, c'est à travers de plusieurs séminaires, des bootcamps dans les universités, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'inspiration, expliquer que, et être très réaliste, parce que les échecs, il y en a 90% ou 80%, il y a 20% de réussite. Donc beaucoup de séminaires, beaucoup de webinaires, beaucoup de communication, beaucoup d'inspiration. Pour les repérer, les identifier, les réunir, les noter, les apprécier dans leur projet, c'est ça. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis... Je vous donne une minute, on passe au studio avec les présents. Avec le déploiement des 4G et de la fibre optique, nous faisons de plus en plus du non classique à justement sensibiliser ces jeunes qui sont peut-être futurs entrepreneurs à travers des webinaires. L'importance de l'Internet qui nous permet justement d'exponentiellement sensibiliser et encourager l'innovation et la créativité est très importante. C'est pour ça que la qualité des Internet est très importante dans notre pays. Et bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va être start-upper ou Internet. Cela dit, tous ces efforts-là, comme je l'ai dit au début, vont permettre aussi d'avoir des managers dans des petites, moyennes entreprises innovants et créatifs. N'oublions pas que cette innovation et créativité, nous en avons besoin. C'est pour ça que le ministère des start-up a un rôle double pour la création de start-up, mais aussi pour créer un mindset. Et une dernière chose, si vous permettez, Kennedy, il a dit « Don't ask what your country can do for you ». Oui, ce que vous pouvez faire. Voilà. Un dernier détail, c'est important de le savoir. Quels sont les secteurs, quelles sont les entreprises, banques, assurances, entreprises de production, entreprises de services, qui ouvrent leurs portes aux projets start-up et qui les accompagnent? Est-ce que vous avez des indicateurs? Alors, c'est une excellente question. Et des opérations réussies. Voilà. Aujourd'hui, la question, c'est, on revient à la responsabilité sociale, plus d'entreprises. Je suis convaincu, je n'ai pas d'indicateur précis, je sais une chose, c'est que des grandes entreprises et des petites, des moyennes entreprises, si demain nous établissons plus de ponts entre
les entreprises privées qui doivent aussi, parce qu'on ne peut pas tout demander à l'État, qui ont aussi un rôle à créer des mini-incubateurs. Moi, j'ai plusieurs entreprises qui n'est pas uniquement dans l'intelligence artificielle, mais d'autres secteurs, peuvent créer des petits incubateurs. Si vous êtes une entreprise dans la transformation de l'IS, vous pouvez créer un incubateur dans la transformation de l'IS. Si vous fabriquez de l'agroalimentaire, dans l'agroalimentaire, vous pouvez faire. Donc aujourd'hui, votre question elle est absolument pertinente. La mauvaise nouvelle, je n'ai pas les chiffres, mais la bonne nouvelle, c'est que ça nous permet de dire et de sensibiliser que les entreprises doivent aussi essayer de créer des petits incubateurs. Mais il y a aussi, nous devons créer plus de business angels en Algérie. C'est terrible qu'il y ait juste un business angel qui s'appelle Casbah Business Angel. Et nous devons avoir plus d'investisseurs informels qui, justement, pourraient mettre de l'argent et se comporter comme un parrain et un coach. On ne doit pas uniquement se contenter à ISF. Merci, voilà. Merci. Ça me permet, votre intervention me permet de relancer Mme Nassima Arhab, secrétaire générale du ministère de l'économie, de la connaissance, start-up, micro-entreprise, et également Mme Saoudi, pour donner également son avis, hein, son ressenti. On labellise, on forme, dans les incubateurs, on préfinance, on va dire ça comme ça. Quelle est aujourd'hui la proportion des start-up qui sont sur le marché à travers les partenariats avec des institutions publiques, avec des entreprises, secteur privé, public, institutions publiques? Jusqu'à quel point le marché sollicite la start-up? Est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés pour dire les entreprises labellisées, elles ont intégré le marché et offrent leurs prestations à quel secteur, à quelle hauteur? Il faut dire qu'au-delà de la création des agences qui existaient déjà, le ministère a initié aussi la création d'un accélérateur public qui est Algeria Venture et parmi ses prérogatives de faire le lien entre entreprises et aussi start-up avec des solutions innovantes. Avant d'aller vers le nombre de start-up qui sont dans cette logique, quels sont le nombre des entreprises qui s'inscrivent dans une logique de compétitivité par la recherche et développement? Nous avons aussi mis en place une disposition très encourageante, celle de l'Open Innovation à travers la loi de finances 2023 qui est opérationnelle, la plateforme de l'Open Innovation qui a été lancée il y a quelques semaines et qui permet... C'est une sorte de marché de gros. Mais aussi une défiscalisation et une aide aux grandes entreprises qui font appel à des start-up ou à travers des incubateurs ou directement aux start-up pour trouver des solutions et qui sont eux-mêmes des marchés potentiels pour les start-up. À ce jour, je ne pourrais pas donner de chiffres, peut-être attendre quelques semaines. Alors, c'est une disposition qui était le résultat d'une initiative prise par des entreprises, notamment dans le secteur d'assurance, dans le secteur aussi des hydrocarbures. Oui, à travers il y a des groupes publics ou privés qui ont eu à faire appel aux startups pour des solutions. Oui. C'est une pratique, je dirais, universelle, très, très louable, de par la qualité et la capacité d'agilité des startups à pouvoir trouver des solutions rapidement. Et de pouvoir répondre d'une façon très rapide à des solutions innovantes. Toutes les entreprises, toutes les institutions ne font pas systématiquement, malheureusement, encore. Alors, la création de cet accélérateur, parmi ses prérogatives, c'est de lier ces institutions. Il y a des solutions qui sont recherchées par ces solutions. Il est plus pratique pour eux et moins coûteux de faire appel à des startups que le faire eux-mêmes en interne. Ceci dit, c'est une mise en relation, j'ai dit, qui a commencé et qui est habilité à se développer encore davantage. Il y a la nouvelle loi aussi sur les marchés publics qui donne accès direct aux startups, leur permettant d'avoir des opportunités de marché, mais aussi à des grandes entreprises ou à des institutions publiques de faire appel directement à des startups labellisées ou à des porteurs de projets innovants labellisés. Toutes ces dispositions ont été mises en place. Là, maintenant, on assiste à leur exécution. Il y a certains contrats qui se font, mais on pourra avoir un peu plus de temps pour parler de l'impact direct ou l'impact exact de cette disposition sur Je vous donne comme ça des grands noms de start-up
autoproclamés, mais qui sont réellement des start-up, qui sont passés ou pas par la labellisation, sans faire de publicité, donc tous les services de transport, je dirais, aller Coursa, Itch, Yassir, ouais. Les services Jumia ou Alors, même pour ce type, les plus connus, on va oui. dire, les plus connus aujourd'hui sur le marché. C'est des start-up qui sont passés, que nous jugeons passés par la partie amorçage et qui ont dépassé le besoin finalement pour se développer. Mais ceci dit, il y a aussi des conditions administratives, notamment l'âge de l'entreprise pour octroyer le label. Mais c'est une catégorie qui nous intéresse particulièrement et que nous réfléchissons sur des politiques qui pourront booster encore davantage ces startups vers l'exportation. Il y en a plein en tout cas. Le font sans le passage. Mais encore plus parce que là, la labellisation. Passer par les étapes d'amorçage nécessaires pour le développement et la maturation des projets de start-up et arriver à ce niveau-là, mais aussi s'internationaliser, c'est l'objectif même d'une start-up. Ceci dit, le nombre actuellement, il est ce qu'il est. Nous travaillons sur cette catégorie qui est déjà labellisée pour arriver à ce niveau-là et on pourrait parler d'une vraie contribution dans la richesse et du développement économique. On va parler des deux autres formules pour mieux comprendre, mais j'aimerais écouter Madame Messaoudi, si vous avez des interrogations, vous êtes établie en Algérie depuis quelques années pour lancer une entreprise, hein, vous connaissez un peu le marché national et ses besoins en tant que jeune entrepreneur. Hein, vous avez déjà une expérience dans le domaine que vous avez cité, donc toute la logistique d'accompagnement. Comment vous appréciez globalement à la fois l'accès à l'information, l'accès aux facilités pour vraiment démarrer? Est-ce qu'il y a un effort, plus l'effort à faire du côté de l'entrepreneur lui-même, sortir de la cistana, ou alors il y a vraiment un passage obligé par un appui institutionnel? Est-ce qu'on peut évoluer sans un appui, sans un accompagnement, sans un financement des institutions de l'État? Est-ce que le jeune start-up, micro-entreprise, il y a du travail, il y a un vrai marché? Merci de votre question. Je voulais rebondir sur l'intervention de Monsieur Rahmouni quand il a parlé d'attirer les porteurs de projets, et aussi d'empêcher la matière grise nationale de partir, et aussi pouvoir attirer les Algériens non résidents à venir investir aussi, puisque à chaque fois quand on parle d'investisseurs, on pense plus peut-être à des étrangers et pas aux Algériens non résidents. Et donc c'est important aussi de devenir, ou en tout cas d'accompagner ce développement économique et de soutenir cette... Donc quand il parlait du mindset, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que l'Algérie... faut qu'elle inspire aussi nos Algériens en fait, et pas que les investisseurs étrangers. Par rapport à l'entrepreneuriat, j'ai été entrepreneur aussi en France. J'avais créé une agence immobilière à Paris avant de venir en Algérie. Et c'est vrai que ce qu'on m'avait souvent dit ici, la bureaucratie algérienne, c'est compliqué, tu vas avoir des difficultés à créer ton entreprise et tout. Et je dois vous dire que quand on veut, on peut aussi. Et à l'époque, quand je suis arrivée, donc en 2014, il n'y avait pas évidemment tous ces dispositifs. Il n'y avait même pas aussi les domiciliations d'entreprise comme on en a aujourd'hui. Oui, oui. Ça existait très peu. Il y avait peut-être deux sociétés de domiciliation d'entreprise qui existaient à l'époque. Oui, on s'en plaignait. On disait qu'ailleurs, on crée une entreprise en 24 heures. On en est aujourd'hui. A énormément évolué. Des offres de domiciliation, il y en a beaucoup. Donc tout ça pour vous dire, oui, sur la question, est-ce que c'est facile ou pas de faire De monter son entreprise. J'ai pu le faire. À partir d'une idée, oui, d'un projet. Et d'autant plus si ça peut aussi inciter d'autres qui sont dans ma situation, qui réfléchissent à venir en Algérie investir. Je n'écris pas l'arabe, par exemple. Je suis d'algophone, francophone, je parle aussi des langues étrangères, mais l'arabe, je ne l'écris pas. Donc pour remplir des dossiers administratifs... c'est pas forcément pratique, mais c'est faisable. Vous avez toujours des possibilités, et tout ça, j'ai pu le faire. Et vous pouvez après... en fait, ça peut se faire. Après, quand on a besoin d'aide plus précise et plus pointue, évidemment, vous aurez des possibilités de demander de l'aide. Mais c'est faisable, en fait. Voilà. C'est ça qui est... Et encore plus, je pense, maintenant, avec tout ce qui, toutes les initiatives, et même le ministère des startups qui a été créé, c'est sûr que je me dis... On peut faire beaucoup de choses en fait. À partir du moment où on a une volonté
réelle. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, il devient très facile de créer sa propre entreprise, également de s'assurer d'avoir une de contracter en tout cas d'adhérer à la caisse nationale pour avoir une assurance. Oui, tout ça c'est faisable. En fait, dans mon cas, je peux comparer avec la France. En France, faut pas croire que c'est facile de faire les choses. Il y a des difficultés comme dans tout. Partout où vous irez, vous aurez des difficultés ou vous aurez des contraintes qui seront différentes. Si j'ai pu le faire, c'est faisable. Et d'autant plus qu'il y a 10 ans, c'était, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui comme possibilité. Tous les candidats au statut d'entreprise, auto, entreprise micro ou start-up, tous les jeunes, entre guillemets, toutes les personnes sollicitent un financement. Est-ce que c'est un passage obligé ou est-ce qu'on peut également entreprendre sans avoir besoin de financement, à votre avis, dans votre cas? Si, c'est quand même mieux. Là, quand même, si vous avez un financement, vous irez quand même plus vite dans votre développement de la... Par exemple, on va parler choses concrètes et basiques, tout votre marketing, il vous faut des supports, il vous faut un site internet, il vous faut des plaquettes commerciales, des cartes de visite. Après, la prospection aussi, c'est ça ce que vous disiez, il y a un porte-à-porte, c'est sûr qu'il y a un effort à faire de la part de l'entrepreneur pour trouver ses clients, mais il y a quand même des choses indispensables à avoir, des outils de communication et tout ça nécessite. Est-ce évidemment que vous pensez, par exemple, dans la responsabilité sociale des entreprises, justement de venir en aide, c'est-à-dire donner la chance, vous, dans votre cas, de faire frapper à la porte d'entrepreneurs, d'opérateurs économiques, de patronat en tout cas, de dire que j'ai besoin de financement pour monter un projet. Est-ce qu'il y a une réceptivité? Est-ce qu'il y a des expériences vécues comme ça où l'entreprise fait confiance à une start-up? Ça, pour le moment, je n'ai pas sollicité, en fait. C'est vrai que je suis passée, j'ai essayé avec le label start-up, mais sinon, par ailleurs, je n'ai pas l'expérience de cela pour pouvoir vous... Merci. Oui. Madame Nassima Arhab, secrétaire générale du ministère. Alors, il y a les deux autres formules. Donc, moi, je retiens vraiment de tout cette émission, c'est qu'il y a quand même une très importante demande, 7 000... pour 2 000 labellisés, dont une centaine qui est retenue. Donc, on ne parle que des personnes inscrites dans le start-up. Qu'est-ce qu'il en est pour l'auto-entrepreneur? Quels chiffres vous avez comme enregistrement des personnes qui veulent avoir leur carte d'entrepreneur? Quels sont les métiers? Quel est également le volume d'inscription également pour la micro-entreprise qui est réactivée aujourd'hui? Alors, commençons par l'auto-entrepreneur. Il faut un petit peu expliquer cette approche entrepreneuriale un petit peu particulière. C'est un statut qui a été créé pour les activités génératrices de revenus et qui se font à titre individuel. Ça part du conseil, du développement informatique, du design, du télémarketing et du télémarketeur. Le statut a été lancé en janvier 2024, le 20 janvier 2024. Nous enregistrons actuellement 14 000 auto-entrepreneurs avec leur statut, leur carte. Il faut savoir que c'est un dispositif qui a été mis en place et qui est digitalisé à 100%. Interopérable avec les deux services. Qu'est-ce qu'il octroie à ces personnes? Il leur donne la possibilité de travailler dans le formel, de pouvoir facturer, d'avoir une vraie prestation, disons commerciale, mais cadrée, et qu'ils puissent bénéficier aussi d'une couverture sociale parce qu'il y a une cotisation, droit à la retraite, et qui leur oblige un peu de payer un petit pécule fiscal qui est à hauteur de 0,5% de leur chiffre d'affaires annuel. Il y a des exonérations également ou pas? Pour le moment, non, mais 0,5% de taux de... C'est considéré comme insignifiant, voilà, par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé par ces auto-entrepreneurs. Le cadre leur permet d'avoir un statut pérenne, mais aussi avoir une ressource un petit peu plus sécurisée par rapport à leur activité. Il faut savoir que l'auto-entrepreneuriat ou l'auto-emploi, appelé ainsi dans d'autres pays, on peut être salarié et faire dans l'entreprise. Alors, salarié dans le secteur économique pour le moment,
Je dis pour le moment parce que la fonction publique ne permet pas la double déclaration, mais on est en train de réviser un peu les textes qui régissent cette partie-là pour permettre aussi aux gens dans la fonction publique d'avoir une activité supplémentaire après les heures de travail qui leur permet un petit peu de boucler les fins du mois. Et, donc vous avez donné un chiffre de 14 000 inscriptions. Auto-entrepreneurs inscrits. Là où il n'y a pas de conditions, on accepte systématiquement. Non, on accepte à condition d'avoir les conditions réglementées, notamment par l'âge de travail. Une nomenclature et faire partie. Et alors, d'abord, il y a les exigences administratives, notamment l'âge de travail, être résident en Algérie, en étant algérien ou en étant étranger aussi, autorisé à travailler en Algérie, et exercer une activité parmi les activités de l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une activité. Mais est-ce qu'il faut la prouver Non, pas du tout. On peut travailler à la maison, auprès du marché, auprès de la demande, mais là c'est une inscription automatique. Certaines conditions bien sûr qu'on demande, et zéro papier est demandé pour l'inscription jusqu'à l'acheminement. Donc on bénéficie d'une carte d'auto-entrepreneur, mais aussi d'une déclaration auprès de la CASNOS, et aussi une existence fiscale qui permet à ces auto-entrepreneurs d'être dans un cadre réglementé. Est-ce que justement dans le choix des nomenclatures d'inscription, on a pris en charge tous les possibilités de savoir il y a eu une première réflexion qui s'est basée principalement sur la nomenclature des métiers avancée par l'ANEM, et qui c'est une nomenclature qui a bien expliqué tout ce qui peut se faire en salariat et ce que peut se faire en auto-entrepreneuriat, en freelancing. Ceci dit, c'est une première liste. Il y a une commission, il y a un arrêté de mise à jour de cette liste qui permet de l'actualiser à fur et à mesure, et qui permet même aux demandeurs qui n'arrivent pas à trouver une activité qu'ils exercent, auquel on n'a pas pensé, de proposer, et ça passe par la commission, et c'est automatiquement intégré, si elle répond aux conditions, bien sûr, que ce n'est pas une activité réglementée, que ce n'est pas une activité qui fait partie d'autres secteurs. Est-ce que, justement, à travers cette carte d'entrepreneur, on peut postuler pour un crédit bancaire? Est-ce que les banques marchent, est-ce qu'elles suivent, est-ce qu'elles font confiance par rapport à ce statut? Parce qu'elles permettent, en vertu de la loi sur l'auto-entrepreneur, d'avoir un compte bancaire commercial, c'est particulier, qui permet aussi... Mais les exigences des banques sont également autres. Alors, il y a eu quand même une petite révision des exigences des banques. On ne demande pas le NIS, par exemple, pour l'ouverture des comptes. Nous sommes en train de travailler sur un process aussi interopérable et automatique pour l'ouverture des comptes. Et puis, certaines banques ont déjà commencé à octroyer certains crédits à ces auto-entrepreneurs qui leur permettent d'avoir des petits matériaux, notamment pour des activités de développement, de design, etc., ou autres, à travers des packs de crédit. Mais ça n'empêche pas d'autres de suivre le même modèle. Là, l'auto-entrepreneur, la balle est dans son camp. Il a une reconnaissance fiscale, sociale. Une activité qui peut se faire même à domicile. Voilà. Chez lui, il peut avoir son activité de la façon la plus formelle possible. Voilà. Alors, on passe au chapitre... qui est intéressant. Ben, on a connu toutes les formules en CEJ, CNAC, ANGEM, je ne me trompe pas, il y a les trois formules donc, qui sont regroupées dans le NESTA. NESTA, oui. C'est dit, il y a la CNAC et donc il y a une nouvelle formule qui regroupe tous les demandeurs de microcrédit. On ne parle pas de l'ANGEM. De crédit de micro-entreprise. L'ANGEM, elle est restée dans sa configuration complète. Mais on ne fait pas beaucoup de promotion. On en parle très peu depuis quelques temps de l'ANGEM. On fait vraiment moins de promotion, y compris pour la formule qui a regroupé tous les micros. Il faut dire que ces dispositifs qu'on a hérités en tant que ministère, qu'il fallait revoir un petit peu, et que l'a bien dit M. Arhouane tout à l'heure, il y a tout un travail de changement de mindset et aussi d'approche par rapport à ces dispositifs-là, à l'exception de l'ANGEM qui reste un petit peu un dispositif qui est orienté vers une catégorie particulièrement... Qu'est-ce qui a changé dans les conditions d'accès? Les conditions par rapport à la micro-entreprise, la NESDA, c'est là où il y a eu le regroupement de l'ONCEJ et le CNAC, et c'est un seul dispositif actuellement, c'est que nous sommes très regardants par rapport au profil des entrepreneurs qui viennent demander le financement. Des universitaires
Alors, pour le monde universitaire, ça va être généralisé pour la formation professionnelle. Ceux qui sont diplômés des instituts, de formation professionnelle. Ce qui a changé, c'est une nouvelle grille d'évaluation qui répond à une approche économique. Et le porteur de projet n'a pas à remettre seulement des documents administratifs, il doit justifier, mais aussi défendre son projet sur des paramètres et des indicateurs économiques. Et pour ceci, nous avons mis en place, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, 104 centres de développement d'entrepreneuriat. 104 centres de développement. C'est des formations, des incubateurs. Alors, c'est aussi des centres d'accompagnement, de formation, qui font de la sensibilisation, mais aussi de la formation. Et il y a un programme aussi de formation qui a été mis en place en collaboration. C'est peu pour tout le territoire. 104 sur 58 wilayas, c'est assez consistant. Dans certains wilayas, il y a plus de 5 centres qui sont là. Donc une formation obligatoire. Dispense cette formation où l'inscription se fait à travers une plateforme et tout est numérisé. Oui. Et que c'est une formation obligatoire pour permettre à ces gens-là de comprendre cette nouvelle grille d'évaluation, de comprendre aussi les mécanismes et les béabas de la création d'une entreprise d'un point de vue administratif, mais surtout d'un point de vue financier, et leur donner toutes les chances d'avoir le financement auprès de la commission de financement. Mais là, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus cadré. C'est cadré et c'est des indicateurs bien étudiés et bien précis par rapport à ces porteurs de projets. Ceci dit, une fois la formation faite, ça donne, avec cette attestation de formation, ça donne la possibilité d'aller demander le financement auprès du CESE. Demander le financement auprès d'une banque. Alors, le financement vers la NESDA. Ceci dit, ce sont ces centres qui permettent non seulement aux porteurs de projets de valider d'un point de vue économique mais aussi marché son projet, mais aussi de rencontrer ou connaître toutes les ressources de financement possibles et imaginables pour son projet. Ceci dit, à l'issue de cette formation, il pourrait éventuellement aller vers la NESDA, il pourrait demander le financement s'il a d'autres moyens. Ce n'est pas un droit. Alors, non, c'est un préalable pour la demande, mais ce n'est pas une garantie de financement. Ah, il n'y a pas de garantie parce qu'on a fait une formation, parce qu'on a une attestation. Non, on passe par un CSVF, qui est une commission de validation de financement de projet, et que cette commission pourrait avoir, je dirais bien, une réserve par rapport au plan, au business plan du porteur de projet, et qui pourrait encore revenir à ce centre d'accompagnement pour un petit peu corriger ou maturer son business plan. Ceci dit, il n'est pas un refus définitif, il pourrait revenir à chaque fois, une fois que le projet est mature. Il y a des délais de refus, de recours, pour ne pas perdre de temps, parce que le projet a une valeur, a un temps. Exactement. Sont des centres qui travaillent en collaboration directe avec les agences de la NESDA, et qu'il y a des accompagnateurs de la NESDA qui participent à cette formation. Nous avons revu carrément l'approche, mais aussi le contenu de la formation à l'aide du Bureau international du travail. Il y a eu une formation de formateurs, on enregistre actuellement jusqu'à 800 formateurs, et puis on a ajouté aussi une catégorie particulière de ces formateurs, ce sont les entrepreneurs qui ont réussi, qui viennent témoigner, mais aussi accompagner ces porteurs de projet sur les choses qu'il faut faire et les choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc vous dites qu'il y a une commission qui va justement statuer sur l'octroi de financement. Nouvelle grille d'évaluation. Oui. La nouvelle grille d'évaluation, justement, quels sont les projets demandés par le marché qui vont devoir actionner le financement Alors, pour le moment, c'est à l'initiative individuelle, mais dont le projet aussi du ministère, mais aussi de l'agence, c'est de catégoriser ou bien faire une cartographie de métiers prioritaires par région, pour un petit peu solliciter les gens à aller vers des métiers. Comment vous allez obtenir cette formation de la demande du marché ? Alors, celle-ci, elle répond à une action, je dirais, économique. Hein. Il y a des spécialistes pour le faire. Il y a un recensement d'activités locales, à l'aide de partenaires locaux, à l'aide d'autres ministères, pour chercher l'information, la répertorier, la mettre dans une plateforme, numériser tout ce process est indispensable. On a dépassé l'importance, mais on est dans l'indispensabilité de répertorier ces activités et permettre d'avoir des avantages supplémentaires si on s'inscrit dans cette demande particulière de la région. D'un côté, ça nous permet d'encadrer encore plus ces projets, de participer à la réduction des exportations, parce que parfois on est sur des produits qui sont facilement fabricables en Algérie. Réduction des importations. Ça, c'est important, mais aussi de assurer à ces porteurs de projets un marché potentiel qu'on fait au préalable l'étude. Quels sont les inscrits depuis la réactivation du Alors actuellement, l'inscription passe, pour ceux qui veulent demander le financement, doivent
impérativement passer par les CDE, la formation des centres avant de l'inscription. Avant l'inscription, même pour la demande de formation. Donc avant de s'inscrire, alors il faut faire la formation. Alors je vous parle, nous avons quand même inscrit, on a 3000 inscrits. Pour le moment, depuis le lancement il y a quelques semaines. C'est bien inséré. Hein, oui, là on va. Non, mais c'est plus, à l'initiative. Pas plus d'assistanat, plus de rente à distribuer. Alors, là, c'est la nouvelle approche, c'est la nouvelle orientation de ces dispositifs. Ce dispositif, donc, il sera pour le financer combiné comme auparavant par la banque en association. Tout à fait, on reste les mêmes. Quels sont les montants, fourchette des montants? Alors, les montants sont les mêmes. Bien sûr qu'il y aura une révision par rapport les mêmes, à des impératif. On est à 10 millions de dinars de financement maximum avec les mêmes compositions. Question de curiosité, on est à où avec toutes les dettes de crédit contractées par les anciens porteurs ou entrepreneurs dans le cadre de l'ANSEJ? Je vous donne quand même un pourcentage. On est sur des crédits non performants à hauteur de 80%, ce qui dépasse largement les normes universelles en termes de crédits non performants. Bien sûr que les autorités, de garantie qui remboursent. Entre autres, bien sûr, et il y a aussi les partenaires, les différents partenaires, différentes institutions sur lesquelles on est en train de travailler sur une démarche qui permet à ces personnes-là d'assurer un certain rééchelonnement en prenant en considération toutes les difficultés par catégorie et par cas particulier de chaque porteur de projet. Je donnerai la parole à chacun si monsieur est avec nous. Rahmoun est parti. Monsieur Rahmoun, je ne sais pas s'il est avec nous. Vraiment, une conclusion. Je dirais ce que vous, très, très honnêtement, très objectivement, est-ce que vous estimez que la politique menée à l'égard de toutes ces catégories de demandeurs de projets pour les sortir, comme je disais, de la logique du salariat pour entreprendre, avec tous les projets innovants, hein, tous les besoins du marché, même ceux qui ne sont pas inscrits dans la nomenclature, vous pensez qu'il y a des choses à parfaire, lesquelles? Bien évidemment. C'est la même question que je poserai à madame. Bien évidemment. Donc, vous savez que c'était des années aussi de revoir, mais aussi de réviser toutes les dispositifs qui ont été mis jusqu'à présent, mais aussi de mettre à jour les dispositifs par rapport à l'évolution de la société, mais aussi à l'évolution de la valeur du travail et la définition du travail lui-même. Ceci dit, l'entrepreneuriat vient en complémentarité au salariat. C'est pas aussi supprimer le salariat. Il y a un problème quand même de confiance aussi parmi les investisseurs et sur la demande du marché des opérateurs eux-mêmes à l'égard des jeunes entrepreneurs. En fait, ça va être des expériences qui vont définir les choses autrement. Madame Essaoudi. Alors, je pense qu'il faudrait communiquer davantage sur tous ces dispositifs et une communication particulière à destination des jeunes Algériens pour les encourager et leur montrer que l'Algérie est un pays très dynamique et en voie vraiment d'évolution. Et déjà en quelques années, on voit que c'est un pays qui se transforme énormément. Donc voilà, j'encourage. Vous avez confiance. J'ai énormément confiance, bien sûr. Monsieur Yassine Rahmoun. Oui, je vous écoute. Je vous donne la conclusion très rapidement. Politique publique destinée à capter les innovations et à permettre à tous les jeunes ayant des projets de les concrétiser sur le marché national, trouver également preneurs, clients, investisseurs, financement. Alors, rapidement. En tant que citoyen algérien, je vais faire deux recommandations parce que je me suis toujours senti libre de mes propos. Un, je pense que le côté ministère des startups ne m'inquiète pas. Au contraire, il a fait un excellent travail. Moi, je veux axer ma pensée sur deux points. Je me demandais avoir un ministère de l'économie parce que une stratégie économique puissante va permettre de solidifier tous ces efforts en amont. Ça, c'est de un. Et de deux, il y a encore des choses à clarifier sur le plan numérique. Et donc un travail, j'espère qu'on pourra faire avec le ministère de numérique. Il y a aujourd'hui l'assassin de l'innovation, c'est la bureaucratie. Il y a plusieurs sujets numériques et intelligents qui aujourd'hui ne sont pas complètement mis en place en Algérie, faute de clarté. Je me demande toujours pourquoi la signature électronique n'est pas généralisée en Algérie, pourquoi certains sujets numériques ne sont pas encore en place. Donc voici mes deux points. Merci beaucoup. Merci mesdames, messieurs. Merci, à bientôt.